Coucou tout le monde, je vous reviens avec un retour de course. Je suis allée chez Leclerc. J'ai pris grosso modo pour une semaine complète. Donc voilà, allez, on passe à la présentation. J'ai pris deux boîtes d'œufs. Il y en a 10. J'ai pris des yaourts à la grecque, ça sera pour faire du coleslaw. J'ai pris deux paquets de billes de mini mozzarella. Un camembert, un comté, un fromage frais, une bûche de chèvre et un paquet d'emmental. Ensuite, en viande, j'ai pris deux paquets de chorizo doux. Ce sera pour cuisiner. Là, on a 6 paquets de jambon à l'italienne. Bon, c'est du jambon cru. Un paquet de jambon, un paquet de 10 tranches de jambon, deux paquets de crevettes déjà décortiquées. J'ai pris deux paquets de salades, donc il y a de la frisée, de la mâche et de la chicorée rouge. Ensuite, un plateau avec 4 merguez, 4 chipots, et 4 chipots aux herbes. Et un plateau de viande. Vu les chaleurs en ce moment, c'est barbecue à toutes les sauces. Bon, je reviens, j'avais oublié les steaks hachés congelés. Il y en a 8. Je les avais mis au congélateur en attendant. Donc voilà, convivial. Je pense que c'est la marque Leclerc. Bon, je range tout ça au frais et je vous reviens. Ensuite, j'ai pris des gâteaux comme ceci. Alors, les Portugais vont savoir ce que c'est. C'est des biscuits classiques. Voilà, pour accompagner comme c'est écrit pour les cafés et tout. Moi, j'ai l'utilisé pour faire comme une charlotte. Quand je suis allée au Portugal, j'avais vu cette recette et puis je sais pas, là, je les ai vus sur le drive, je me suis dit ah ouais, on va refaire ça. Ah, j'ai pris des petits gâteaux comme ça pour Manon. Bon, ils sont entamés, elle en a voulu. Il faut les mettre au frigo parce que le chocolat en ce moment il subit. J'ai pris un paquet de tranches de pain de mie, il y en a 14, ça c'est des pains toujours. Un paquet de pâtes. Un paquet de pain hamburger. Sont pas très grands, mais ça suffit. Ça sera accompagné avec des frites, donc c'est très bien. J'ai pris un pot d'oignons confits. C'est demandé dans une recette. C'est vrai que j'aurais pu les faire moi-même, mais j'avais pas envie de le faire. Un pot de compote. Alors j'ai les compotes en gourde à la maison, mais j'utilise surtout quand on doit aller à droite à gauche. À la maison, je préfère utiliser ce genre de compote. C'est plus économique. Et puis, ben, je récupère les bocaux ou alors, comme c'est 100% recyclable, c'est très bien. Ensuite, un filet de pommes de terre. Je ne sais pas combien il y a. Il y a 1,5 kg. 3 avocats. Un petit plaisir, un paquet de bonbons, banane Haribo. Et un brumisateur. Parce que là, en ce moment, on morfle. Et les petits aussi. Bon, ben voilà. Bon, ensuite, ce que j'ai pris, de la grenadine. Alors ça, c'est le grand format. On est à 1,5 litre. Parce que là, vu la chaleur, on va boire. Ensuite, j'ai pris 4 jus. Donc j'ai pris 2 multivitaminés. Et 2 jus de pomme, du coca. On n'en boit pas beaucoup à la maison, mais de temps en temps, un petit coca, ça fait du bien. J'ai pris épanaché, parce que ça, quand il fait chaud, c'est génial.
Et là, j'ai qu'un seul pack d'eau, mais j'en ai pris deux. Donc voilà. Donc, après le drive de Leclerc, je suis allée chez le primeur pour compléter les légumes qu'il n'y avait pas. Et puis, c'est quand même de meilleure qualité. Donc, j'ai pris un pied de basilic. On est parti en vacances et j'ai eu la mauvaise idée de le laisser dehors. Et il est mort, mon pied. Donc, j'en ai repris un autre. J'ai pris des tomates cerises. Je préfère les tomates cerises aux tomates classiques. Je trouve que ça a un meilleur goût. Le goût de la tomate est plus prononcé. J'ai pris des petits abricots. J'en ai pas pris beaucoup. Parce que Manon, elle ne connaît pas. Donc, on va voir. On va lui faire goûter. J'ai pris un demi-chou. Trois bananes. Parce qu'elle en mange un peu moins. Donc, on va en prendre un peu moins. J'ai pris un chou-fleur. Il était en DLC. Il était à 1 € le chou-fleur. Et vu le prix en ce moment, j'ai pas hésité. J'ai pris deux melons. Un melon vert en demi. Et deux concombres. Ils sont super grands, je trouve. C'était un peu cher, mais vu la taille, regardez ma main à côté. Ils sont super beaux.